blessure. On dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant. Des soumis et des hommes. Même ceux qui ne sont pas soumis finissent toujours par se soumettre. Besoin de Dieu. Besoin de maître. Soumission sans rémission. Nous sommes des sous-hommes, tous soumis à une volonté de puissance sourde et aveugle, qui se transforme au fur et à mesure en volonté de nuisance. Et ceux qui soumettent ne sont pas moins soumis à l'implacable condition humaine, où les hommes renient les hommes et les sous-hommes se prennent pour des surhommes. Même le bon Dieu entre leurs mains devient mauvais. Leur transcendance est toujours renversée. Ils s'asservissent mutuellement. Parce qu'au fond, et tout le monde le sait, Éphémine, de l'ignorer, les hommes ne se supportent pas libres, ne supportent pas la liberté. C'est la seule parole de Dieu qu'ils n'entendront jamais. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire libres. Absolument libre. Il n'y a pas d'autre absolu que cet absolu-là. Dieu est l'autre nom de la liberté. Si tu réalises un jour que tu peux tout ce que tu veux, tu te rapprocheras de Dieu. Dieu, sans lequel la liberté n'aura pas lieu. C'est un soufi qui m'a soufflé ses divines antinomies.